T'en as pas marre de servir à rien, toi? Il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. C'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. Putain! On va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ferme pas toutes les écoles de France. Bon, c'est un virus de plus, c'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet. Qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort? Ces masques donc sont livrés très régulièrement. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. T'as rien demandé à toi. Et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue? Quoi? Dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. Donc, ils sont renouvelés, on les a. Et on les déstocke progressivement. Je vais la fermer ou bien je t'en mets une autre? Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.